Fabrice, David. bonjour, encore une occasion de se voir, Eh oui, toujours avec autant de plaisir. pour un produit, un nouveau produit Accuphase, c'est obligatoire. Ouais. Bah là, cette fois-ci, c'est autour du gros lecteur intégré qui s'appelle le 770, le DP 770, qui remplace le 750, Exact. qui était sorti en 2018. Non, ça fait déjà 5 ans, Ouais, 4, 5, ouais. 6, 4-5 ans, c'est un rythme, on va dire. 6 ans maintenant. Ouais, Tu vois, il est presque. resté un peu plus longtemps Un peu que la plus. moyenne normale des appareils. Et alors, toujours chose quand même assez incroyable, au même prix. Incroyable, ouais. Donc, ils améliorent à chaque fois les performances, les Ouais. recherches, les circuits. Et 6 ans après, ils arrivent à le sortir au même prix. Ça prouve quand même le sérieux Ah d'Accuphase, hein. ouais. Et C'est. le respect du consommateur, vraiment, Et c'est puis même, fort. c'est pas le même état d'esprit Ouais, que t'as certains autres l'impression que fabricants. c'est. Voilà, ce qui leur compte, ce qui compte avant tout chez eux, c'est le plaisir du consommateur et la fidélisation à la marque. Et c'est vraiment leur objectif et leur philosophie. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a de. Alors, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau lecteur, bon là, en fait, il est directement inspiré de l'ensemble séparé DP DC1000. Oui, ça c'est vrai. Et la mécanique est nouvelle. Alors, ils font beaucoup de travail sur la recherche des vibrations Ouais. et la recherche même au niveau de la mécanique des perturbations, des turbulences de l'air mis en mouvement par la rotation du disque. Donc, T'imagines? ils étudient ces phénomènes-là Ouais. et ils changent en fait les éléments, le capot, ils appellent ça le pont au-dessus de l'appareil. Et ils Ouais. étudient ça, il y a un phénomène de soufflerie, de turbulence. Et tout ça à étudier pour que justement ça ne vienne pas perturber les éléments en rotation D'accord. pour ne pas faire intervenir les systèmes de correction et pour évidemment que la lecture se fasse dans des conditions parfaites. Donc c'est une nouvelle mécanique, c'est des nouveaux systèmes de couplage par rapport au châssis avec Ouais, pour une l'isolation. recherche voilà, d'isolation avec des duretés différentes. Donc c'est vraiment très poussé sur le plan mécanique. Ben, ce qui est très important parce que c'est quand même le point de départ, Ouais, quand même. Donc, un lecteur, il y a une partie mécanique, effectivement, qui est très Ouais. importante. D'ailleurs, combien pèse-t-il? Ben écoute, Dans les tu 30, un truc comme me. ça? Plus de 30 kilos, hein. T'imagines? Ouais, Ouais, c'est c'est vrai énorme. que. Voilà. En dehors de ça, bon, Donc, je résume, excuse-moi, je vous la parole. Donc, je résume. Déjà, par rapport au 750, lui, il a une nouvelle base mécanique, un nouveau Ouais. drive, comme on dit, et un nouveau système en fait, d'isolation, Oui, voilà. d'anti-vibration, etc. Ouais, Et tout, un voilà. système de découplage Donc, mécanique. c'est quand même déjà une énorme différence Ouais. par rapport au 750. Une belle Voilà, c'est évolution. directement inspiré du DP1000 Du au DPI. niveau mécanique. Ok, voilà. Donc ça, c'est une chose Ouais. très importante qu'on vient d'évoquer. Alors ensuite, même si effectivement le DAC est le même que le 750, hein, c'est Ouais. les puces 98 Pro, 98 donc c'est deux, Pro. donc il y en a 16 en fait, hein, il y en a 8 de chaque côté. Il y en a 8, mais chaque DAC fait les deux, c'est deux canaux. Alors justement, explique-nous, Oui. voilà, chers téléspectateurs, ce que veut dire le MDS++. Voilà. Alors, chez eux, tu as le MDS++ et le MDSD. Oui. Le MDS++, c'est la dernière génération du D'accord. circuit MDS, OK. qui concerne plus le PCM, donc le disque CD. CD 1644, C'est ça. et le MDSD, qui Oui. concerne plus le DSD, donc le SACD. OK. Ah, puisque, bon, on ne l'a pas dit, mais c'est évidemment un lecteur Bah évidemment. hybride CD-SACD. Oui, qui dit le DSD en natif, sans Ah conversion PCM, oui, tout à évidemment. fait. Ça, c'est très important. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, on a mis un SACD pour faire voir. Voilà, et vous voyez, vous avez bien le 1 bit 2,8 MHz qui s'affiche. Voilà. Voilà. Et il compte directement l'affichage se fait en comptant les datas du disque. Oui. Hein, c'est pas une Oui, information qui est oui, donnée par le CD, il compte vraiment oui. ce qui Exact. sort du disque. Alors la différence, alors le MDSD, c'est le principe qui met en parallèle Oui. les DAC. D'accord. Donc là, il y en a 8, donc en fait, tu as 8 DAC en parallèle. Et l'intérêt de ça, c'est que à chaque fois que tu mets des DAC en parallèle, Ça tu s'additionne. t'améliores par un certain facteur
les phénomènes de distorsion et voilà, essentiellement les phénomènes de distorsion Ouais. et les phénomènes d'erreur D'accord. par un système un petit peu de moyenne de tout ça. Et comme c'est du, en même temps, c'est comme c'est du symétrique, justement, ça s'ajoute au principe de la symétrie. OK. Et comme il y a 8 DAC, eh bien, ils améliorent le fonctionnement des DAC par un facteur de 8. C'est ça, D'ailleurs, c'est 2,8, c'est ce que pratiquement j'ai lu. 3 fois meilleur Ouais. qu'un système avec un seul DAC. D'accord. Mais ça, c'est valable aussi pour le MDS+, pour le PCM, ce que tu viens Et de dire. voilà, ça c'est la partie DZ. PCM. Le PCM, pardon. Pour MDS, d'accord. MDS++, c'est Oui, la partie PCM. C'est le multiple delta sigma. oui. Oui. Plus, parce que c'est les dernières générations, D'accord. et c'est la mise en parallèle de ces 8 DAC qui permettent à chaque fois de diminuer peut-être à des taux non mesurables la distorsion et les non-linéarités des DAC. D'accord. Mais le principe est le même pour le PCM et le Voilà. DSD. Alors en DSD, ce Voilà. système reprend le système des DAC en C'est parallèle, ça, mais en voilà, même temps, ouais. il y a un système qui est le MDSD parce que en fait il double la fréquence du SACD, 2,8, ouais. voilà, il le double Ouais. de façon à ensuite provoquer un décalage temporel entre chaque DAC, entre les 8 Ok, DAC. d'accord. Pourquoi faire ça? Parce que le SACD est réputé pour avoir un petit peu plus de bruit de fond, parce qu'il monte Alors, très tellement haute, haut en très haute, très haute fréquence, fréquence. il monte dans les ultra hautes fréquences, donc il Exact. faut une sorte de filtration. Et chez eux, eh ben, ils ne mettent pas un filtre classique en sortie, parce que ça déphase et c'est pas très bon à l'écoute. Donc ils ont inventé un système qui s'appelle le MDSD, et qui permet, puisque ça se fait avec les 8 DAC, justement on ne peut pas le faire avec 4 DAC, il n'y en a pas assez, comme le 570, il n'a pas ce principe-là. D'accord, j'ai compris. Donc il faut 8 DAC pour le faire, donc c'est à partir de ce modèle-là, ou du DAC DC 1000, DC1000, voilà. ouais. Et comme il y a 8 DAC, eh ben, il y a un petit décalage temporel, mais très faible, de quelques nanosecondes, entre Ouais, chaque DAC, d'accord. et ça provoque l'équivalent d'un filtre, D'accord. mais sans avoir de filtre. C'est un filtre naturel. Très Donc c'est intelligent. un système très malin pour éviter un étage supplémentaire en sortie, Tout à fait. qui serait un filtrage avec tous les défauts Ah ouais. inhérents à chaque filtre. Donc c'est ça le MDSD. Donc ça vient s'ajouter au D'accord. principe MDS et ça concerne le DSD. Bon, là, on a une bonne explication, bien Voilà. détaillée et très claire. Il y a aussi une nouveauté par rapport à 150, c'est le ANCC. Oui, alors c'est un circuit qu'ils ont développé depuis quelques années. Oui. On trouve ça maintenant sur la plupart des appareils de nouvelle génération. En fait, c'est un système d'annulation des distorsions et il l'inclut à l'intérieur du DAC même. D'accord. Et c'est un système, c'est un peu comme la contre-réaction. OK. Donc c'est un système de contre-réaction. Là, simplement, c'est un système qui annule tous les phénomènes de distorsion à l'intérieur même du DAC. D'accord. Donc en fait, ce n'est pas la peine d'avoir des détecteurs des circuits extérieurs. Ils le mettent au cœur même du DAC OK. pour que ce soit absolument parfait. Voilà, ils appellent ça le ANCC. Et maintenant, il est incorporé dans la Bah, plupart des quasiment. appareils. Ah, tout à fait. Bon, ce qui serait intéressant, bien sûr, c'est de faire une comparaison avec 750, mais j'en ai plus. Sinon, il faut que je demande à un de mes clients de m'en prêter un, parce que j'aimerais bien comparer quand même les deux, parce que même si le DAC est le même, déjà, un tout nouveau drive, ça changera comme beaucoup de choses. Et La puis, NCC, ouais, ouais, la et puis, NCC, donc non, ça m'intéresse quand même, donc il faudra quand même qu'on fasse une petite voilà. Alors, comparaison. également, faudrait voir s'il n'y a pas une différence, mais après la conversion, il y a un circuit de post-filtration Oui. et qui là est assez évolué également. Tout ça, encore une fois, pour avoir toujours moins de distorsion avec le maximum de résolution. Et là, je pense qu'il est également supérieur et en même temps, il permet de totalement séparer les signaux RCA et XLR. D'accord. Ce qui fait que c'est un appareil qu'on peut même le brancher
en parallèle sortir CA, sortie XLR. Il n'y a pas de chute de signal comme sur la plupart des autres marques. Ah, ouais. Tu peux pas faire ça. Ouais. Parce que c'est pas des circuits indépendants. Tout à fait. Donc si tu fais ça, il y a une chute de niveau. Avec ce DAC là, avec les machines à Q-phase, on peut faire ça parce que justement il y a ce système de post-filtration qui améliore justement le fonctionnement des DAC et qui en même temps fait une séparation physique totale entre ce qui est en asymétrique et ce qui est symétrique. Justement, tu parlais de DAC, comme il faut évoquer comme une utilisation comme qui est très importante, on peut s'en servir comme DAC externe. Bien sûr. Non, mais c'est vachement important parce que c'est pas un produit, même si le CD s'arrête demain, c'est pas encore demain, mais bon, il peut être utilisé même simplement comme un DAC, d'exception, mais un DAC. Donc, il a toutes ça les prolonge vraiment sorties, sa durée de vie. Il y a les entrées-sorties, il y a bien sûr les liaisons propriétaires à Q-phase, HS-Link, mais qui ne fonctionnent qu'entre à Q-phase, parce que le SACD est protégé, on ne peut pas. Comme une sortie coax numérique, on ne peut pas sortir le SACD, c'est des protections. Donc ça fonctionne entre eux. Comme il y a des entrées-sorties, on peut même aussi mettre le DG68 dans la boucle. Oui, le correcteur. Le correcteur DG68, on peut l'incorporer au niveau des branchements entrée-sortie dans une boucle entrée-sortie numérique. Voilà, mais en fait c'est bien parce qu'AQFAS continue à croire au support physique. Notamment là, les Japonais, ils sont très attachés au SACD. Oui, il faut dire que c'est quand même vraiment bien. Selon moi, le SACD, c'est vraiment le meilleur format en haute définition. Oui, tout à fait. C'est ce qui sonne le plus proche de l'analogie, avec un son très fluide. Tout à fait. Tu me diras maintenant, on trouve du DSD en. Sur Internet. Oui. Ça, j'ai après, pas trop, faut savoir voir si c'est vraiment, vraiment du DSD. Parce que c'est ça le problème, il y a beaucoup d'arnaques à ce niveau-là. Est-ce que c'est du natif, je ne comme sais les, pas. Même les, 20, même les fichiers 24, 96, 192, parfois. C'est du upsampling. C'est du upsampling. Et d'ailleurs, bien souvent, si tu fais la comparaison des deux, le fichier en 24, 192 marche moins bien. Ouais, je sais, j'ai déjà fait. Ouais. Il a l'air d'être plus compressé. Parce que c'est un peu de l'escroquerie. Ouais, c'est pas du natif. Entre guillemets, voilà. Donc, bon, il faut se méfier. Quand tu achètes un SACD, c'est du vrai DSD, point final. Et là, tu extrais en fait tout le potentiel sûr. Ouais. Bon, on n'a rien oublié, non, je pense pas, non, de toute façon. Après, l'appareil est toujours aussi beau, bien fabriqué, etc. La boiserie, alors, effectivement, chez eux, tous les appareils avec un coffret bois, c'est chaque appareil qui est au sommet d'une gamme. Ouais. Alors, le coffret bois, évidemment, on ne peut pas le mettre sur un ampli. Donc, on le retrouve sur les sources et sur les préamplis. Tout à fait. Donc, les lecteurs, les préamplis. Dès qu'on a un coffret bois, c'est qu'à chaque fois, on est sur le top de la catégorie. DC1000, bon, 2009, il y a quand même le 3900. 2009, c'est coffret bois. Voilà. Et 770, qui est la version intégrée du DP DC1000. Voilà, exactement. Donc, et c'est tout à fait étonnant quand même de voir à quel point chez AQFAS, on continue à vendre des machines mécaniques pour lire les CD, les SACD. Parce qu'il y a telle qualité de restitution que. Voilà, déjà. Donc moi, j'ai beaucoup de clients encore qui sont encore CD et SACD. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Physique, hein. Il faut dire aussi que la clientèle AQFAS est conservatrice. Plus le prix, bon, c'est quand même des gens d'un certain niveau. Qui ont un petit peu de un certain âge pour avoir les moyens évidemment d'acheter ça, donc c'est forcément des gens qui ont une grosse discothèque qui ont connu l'ère en fait support physique, on va dire, et qui ont encore beaucoup de CD à exploiter, qui sont assez conservateurs, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que l'idéal pour un mélomane audiophile, c'est d'écouter tous les formats. La plupart des gens qu'on connaît qui ont notre âge, ils écoutent du CD, du SACD, du vinyle et du DMAT, évidemment. Ben, ils ont toutes les sources. C'est ça, tout à fait. Et chacun a son plaisir et chacun a ses avantages d'écoute et de technique. Ok, bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, et puis, je vais demander à un de mes clients de me prêter un 750. Ok, bon, on va essayer de faire on va voir si on peut percevoir la différence. Avec les oreilles qu'on a, tu rigoles. Bon, j'espère. Merci David. Allez, bonne journée. Allez, à plus tard.